Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis qu'Hakim est sur la bonne voie, Marilyn va suivre Paul au Maroc. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 15 août dans Un si grand soleil. Hakim est sur la bonne voie après s'être réconcilié, Hakim et Noémie ont passé la nuit ensemble. Au petit matin, le couple évoque Rémi. Quand Hakim explique qu'il n'a pas eu d'autre choix que d'enquêter sur lui, Noémie répond qu'elle a finalement compris qu'il ne faisait que son travail. Bien qu'il soit tenu au secret professionnel, il finit cependant par lui dire qu'ils ont un nouveau suspect dans cette affaire puis promet de tout mettre en œuvre pour aider Rémi. De retour au commissariat, Hakim se met en tête de vérifier l'alibi de Baptiste. En visionnant les images de vidéosurveillance, le policier découvre que celui-ci était bien dans le quartier Gambetta au moment de l'incendie. De fait, Baptiste est donc écarté de la liste des suspects. Pour innocenter Rémi, Hakim se plonge ensuite dans les rapports techniques de l'incendie. À force de potasser les dossiers jusque tard dans la nuit, il s'endort avant d'être finalement réveillé par une fourmi parcourant son visage. Le sourire aux lèvres, il semble avoir compris qui est l'auteur de l'incendie. Marilyn va suivre Paul au Maroc depuis qu'il a appris que son nouveau beau-père dirigeait un hôtel à Dakhla, Gary ne tarit pas d'éloges sur lui. D'ailleurs, il envisage même d'aller au Maroc pour expertiser l'hôtel de Paul et l'aider à faire prospérer son affaire. De leur côté, Enrique et Inès lui conseillent d'en parler d'abord à Marilyn avant de faire quoi que ce soit. En parallèle, Paul confie à Marilyn combien il a été heureux de rencontrer sa famille. Comme il doit retourner au Maroc d'ici la fin de la semaine, Paul propose à Marilyn de l'accompagner pour lui faire découvrir son univers. Même si elle hésite au départ, Marilyn finit par accepter. Plus tard, elle annonce à Ludo et Bilal qu'elle part au Maroc. Ignorant la durée de son absence, elle compte donc sur eux pour veiller sur l'appartement. Heureux pour elle, les deux jeunes hommes savent déjà pertinemment qu'elle ne reviendra pas. Tandis que Bilal s'inquiète pour l'avenir de la coloc, Ludo se dit certain qu'ils en trouveront une autre le moment venu. En fin de journée, Paul et Marilyn se rendent au camping pour la soirée barbecue organisée par Gary. Après avoir offert à Paul une casquette à l'effigie de son établissement, Gary met tout en œuvre pour s'incruster au Maroc, ce qui n'échappe pas à Marilyn qui lui interdit de venir. Ni plus tard, ni jamais d'ailleurs. Malgré tout, Gary semble avoir une idée derrière la tête.